Oia, te ora o tau, te ora o ora mātou, wharere rei tātou te ia Monday. I roto roi tō tomo utua wharewhare māhoi te ia mhana nei, mai te mātou he tātou, te ia tupe tō mahopea, e oti haratoe mātou pōruo, tōtori ia, ha mahari tō mātou rūrū. Nā ribai tātou e prau, rena e tātou mō maneni, ia rana lena. Pas question de dormir, c'est l'heure de whare māhoi, on est ensemble pour une heure. Alors aujourd'hui, lundi 22 octobre, on sera avec Aldo Tirao et Lindsay Roua di Lindsay pour parler de la finale Upanui, 7e édition déjà. Ce concours d'orchestre et de danse organisé par l'UPJ avec le ministère de la Jeunesse et la Maison de la Culture. Ce sera le 3 novembre pour la finale. Sonia Aline et Heimanu Temata Faharere seront également avec nous pour parler du Salon de l'Habitat. Ça commence le 25 et ça se déroulera jusqu'au 28 octobre, Place Tohata. Pour les informations, nous serons tout à l'heure avec Chiquita Teivada Rouzès et puis nous serons aussi avec Janine Tiapari et Ruita Luca pour parler de l'exposition de l'association Rimai et Hoturau. Thomas, ah oh, mince, oui, c'est pas Chiquita, c'est Thomas. Thomas Teri Teporouar, hey, voilà, c'est ça, pas Chiquita aujourd'hui, juste Thomas pour les infos. Et donc l'exposition de l'association Rimai et Hoturau, ce sera à partir de ce vendredi à Taravao. Nous aurons également sur ce plateau Timéri Lévy, qui est la présidente de l'association Vai Ara Notea Hupo. Et avec elle, il y aura Astrid Rollet pour nous parler d'un calendrier qu'ils viennent de sortir, Matari Inia. Et puis on parlera bien sûr des actions de l'association aussi. Teiva Mano et Léonie Hawata sont déjà là. Ils sont sur notre plateau pour nous inviter à la légende de Haumana Vaitu, le spectacle des Tamari Tiperui. Et ce sera au Grand Théâtre ce samedi 27 octobre. Donc soyez au rendez-vous. Teiva et Léonie, Yaorana, merci d'être là. Yaorana. Alors, Tamari Tiperui, c'est un groupe qui existe depuis combien de temps? Ah, c'est Léonie qui va répondre. C'est Popo. C'est un groupe qui existe depuis 1980, avec un groupe de chant. 1980 oui, en 2004, déjà c'est le groupe de danse. D'accord, donc la danse est venue après. Alors, Tamari Tiperui, vous avez présenté pendant le Heiva ce spectacle-là, que vous avez bien sûr retravaillé. Oui, en fin de compte, là, cette fois-ci, ce qu'on va présenter au Faretahuiti Nui, c'est la totalité de l'histoire, parce que lors du Heiva, on était un peu contraint, du temps, parce qu'on devait respecter une heure de spectacle, selon le concours. Mm-hmm. Et là, on vient de tracer toute l'histoire de Haumana Vaitu. Voilà. Alors, qui était ou qu'est-ce que c'est Haumana Vaitu? Mais Haumana Vaitu, c'est une ogresse, c'est une belle femme de Taha, de Reeta, qui est partie sur Taha. Et elle a eu 4 enfants, et ces 4 enfants ont essayé de tuer, parce qu'en fin de compte, c'était... De tuer leur mère? De tuer leur mère. Ah. Parce que c'était une ogresse qui mangeait des enfants, parce que l'ogresse aussi voulait manger ses enfants. Ses propres enfants, ouais, c'était enfants. De son instinct, quoi. C'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Tout à fait. Et ça, c'est une légende. Il y a beaucoup de légendes sur les ogresses en Polynésie. Oui, tout à fait. Il y a Nona, la Nona de Mahina. Il y a encore d'autres sur Hau, je pense. Ouais. Quelque chose, mais on a travaillé celui de Taha. Ouais. Alors pourquoi Taha? Parce que c'est Tamari Tiperui. Il n'y en avait pas d'ogresse dans la vallée de Tiperui? Ben, pour dire la vérité, non. Non, parce que Tiperui n'a pas beaucoup de légendes. Mm-hmm. Et on a retracé un peu la légende de Haumana Vaitu sur Taha. Toute la vallée de Tiperui sont des descendants aussi des Rarumantai. D'accord. Alors c'est pour ça qu'on a voulu travailler un spectacle sur Rarumantai. On a utilisé Taha. Et alors, avant de préparer ce spectacle, est-ce que tu connaissais cette légende, toi, ou tu l'as découverte? Non, je l'ai découvert moi-même et avec le groupe, et surtout avec notre auteur écrivain, Veherika Dusto. Mm-hmm. C'est elle qui l'a écrit, elle a remanié, elle a tout refait, parce qu'en fin de compte, elle a constitué l'histoire. Car tout au début, il existait cette version. Et là, elle a constitué... C'est le problème des légendes, c'est que selon qui raconte, il y aura quelque chose de différent. Enfin, quand on dit problème, pas vraiment, parce que finalement, ça fait plusieurs histoires, mais on a toujours une base. Donc elle a recherché toutes les données qu'elle a pu trouver pour faire une histoire, celle des Tamari Tiperui. Oui, oui. Eh bien, elle est partie voir une dame de Taha, une ancienne,
on dira, une doyenne qui a pu raconter la véritable histoire de Homana Waitouf. Et cette véritable histoire, on va la voir donc au Grand Théâtre ce samedi. Ça commencera comment ? À 19h30, le spectacle commence et bon, il y a des tickets à acheter sur place. Oui, il faut se dépêcher. Est-ce qu'il reste d'ailleurs des places ? Mais il reste encore des places. Pas beaucoup, hein ? Ouais. Mais en fin de compte, comme on ouvre à partir de 9h au Grand Théâtre, la vente des tickets jusqu'à 15h. Mm. Ça finit à 15h et après, c'est tous les jours jusqu'à samedi. Voilà, tous les jours jusqu'à samedi, vous allez à la Maison de la Culture, vous dites, moi, je veux absolument voir ce spectacle parce qu'il n'y en a qu'une, c'est qu'une soirée, il n'y en aura pas deux. Ouais. En revanche, dans vos projets, vous avez l'intention de préparer un autre spectacle que vous aviez déjà présenté. Oui, oui, en fin de compte, c'est qu'on avait discuté avec le directeur de Faret Houti Nui, on veut jouer le spectacle qu'on a joué en 2007, c'est Les Jumeaux. De Tipperary. Ben, cela une vraie légende de Tipperary cette fois-ci. Hein. Voilà, voilà. Et bon, maintenant, le spectacle qu'on fait en ce moment, c'est pour préparer le Heiva de l'année prochaine. Voilà, 2013, ils 2013. Seront là. Donc, ils ont besoin d'argent, c'est comme toutes les associations, hein, on le sait. Et donc, pour les aider et pour aller voir un magnifique spectacle, si vous les aviez ratés, par exemple, au Heiva, et même si vous les aviez vus au Heiva, allez-y, puisque tout à l'heure, Teiva nous a dit que c'était un autre spectacle. Hein, c'est quelque chose d'un peu plus grand, un petit peu plus complet que ce que vous aviez pu voir au Heiva. Donc, 544, 544, c'est le numéro de la Maison de la Culture, si vous voulez plus d'infos. Sinon, il y a le numéro 28, 91, 78, ça c'est pour joindre directement la troupe Tamari Tipperary et autrement pour avoir plus d'infos concernant les horaires, les tarifs, etc. C'est www.maisondelaculture pour le site et pour la page Facebook. Et ben vous allez sur la page directement du groupe, c'est Tamari Tipperary. Ouais. Voilà, on a tout dit ? Oui. Peut-être pas le prix ici ? Peut-être le prix, en fin de compte, le prix c'est pour adultes c'est 2000 francs. Et pour les enfants moins de 12 ans, c'est 1000 francs. Voilà. Voilà, 2000 francs et 1000 francs pour aller voir un superbe spectacle. Retenez votre soirée pour ce samedi à la Maison de la Culture. Merci Teiva. Merci. Oya tatato manini fari mai teite me leoni leoni yorana. Yorana. Maru mai teito tatato fari tano atu ya Teiva toa. Tamari Tipperary. FM teite no Tamari Tipperary ki ta umara ni te hupa tiurai. Ha? Te hupa tiurai mai te mataite iwa hanare ohoru. Pamai o ye hei taua, o te hupati urai. Meiri rei tairo mai te ia mana, e pupu himene pai o muar amai. Rātira hei e paparai. Rātira hei e paparai. Te rira. E te mataiti piti taua te nie maha, pamai tamari i ti pēru, e pupu ori ia. Menaria tera pupu i whaarhei ahia. No reto mai ona tera pāru i te poro te tani maahoi no ti pēru i te topa hia, te rau orive. Te ria. Te amatara amai ona. Te amatara amai te ie prau no tamar i ti pēru i noroto mai te ie pāru i ta. Te rau orive. No te patura ai e te rawharepure. Rawharepure rea tāna. Te rau orive. Mena rea te amatara amai i te ie mhana. Uara heirua te ie pupu tamar i ti pēru i te ie mhana. Te ria hoa. Ere no te huipa himene no te orito i te ie mhana. Te rira. E hei mewa ni e te ie aru i te ie mhana maa, mhana maa ne ia? Mhana maa api te haruma hetu no te ie atopa. E tupu ia tara hautiri a tātamar i ti pēru e te wharetahu i te nui. I ria tupu e, e te hora heitu e te ahua. Hora heitu e te ahua, te pōhu hamata. E te pōhu hamata. E te aa i tāuto i tāpe, mai tara hoa hauti tāuto i hauti ni e atuata. Te hauti a tā mātou i hauti i tuata i te ie mataiti. Te tupahia te oa. Te tupahia te oa e, haumana wai tu. Ha. Tara tā mātou. Tumuparau. Tumuparau. Nā o tātou, no te mātai te aia o rera, no te nove nove ane, no te he uri ane, te mohi pātou, whanhoia te mari te perui, i te mau e Leonie paraparautu. Te ura, hare tī tātou titeti. Ewe moni, titeti Leonie? Tātou pāri? 2000 franc, tātou pāri. E raro mai te haruma apiti mo taiti, 1000 franc noi. Tera, te moni no te hare rā tu e mātai te. E ha mōna te tumu te mari te perui whātupu e? No te whainene rai a mātou no te hewai muri nei. Ah. Piti tau a tēne ho e haru mātouru. Mea te ia mhana, me whiwhiro te pēau no te fofa. Ia hoa e te mōwha anhaur a te ia ori. Nō rea e mira mātou i te fofa. Parau ane no te more. Parau no te more, e te mōwha anau nga toi nea. E mea moniro e te ia mhana. Hāne, ai te ho e māma hore ho ore ore rā, te taita atira i neo tātou ne tauturu rei o tau. Ore rā e ho mai te pra more māma aro, aia. Te ta o tau mea ne. Te ta mātou roa ne, no raro mata ime. E tā mei unei no huhine mei, no orea mai, tā mātou i erawe nei te mō more. E re te mea, tīna hoa i te whaito kato mini whanau, ai? Pi, se shēra. Me moni roa. More no e, ai te e tāpai ture nā atuane me... Ai te e tāpai ture tāra mō whāuna, no tō te o, tō te papatiti, hare mei e,
Alors le meilleur à tout est mes bigres, mais à tout aille, papou moi te dis, mais à te dire moi, mais roi pas, toi hier me drame mourir, c'est émoni, 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 tu vois, n'arto te dis t'as roi, te dis mahana mahane, n'arto te dis t'as roi, puis hier ma hito noté à ouais à topa, pas tu pouvais m'attendre si t'es imimir à roi mais fofa, utan utan, itera quoi itera. O te Ivara tomato ya mia orero tata orero te enana tu anhonei e tu te pe anot pe a ori toru ar ait mo prorito me fata mai te tomato mo tua tua o hepa no te vera ho te tomite ate ta atira te vera ho ata no te hapi ait prorito ori maru no te leoni amahana ma anei mahana ma anei toru he tu te poit prata hui tinui traia o hamata narera maru no te leoni maru ato te iwa te harera mai inye te tumu pro ai Matari ni a matari jaro. Tewero we te pura aja iti tura ti te mui o. Ah, tēnā mamai haramai e eiwa nā ho. Tororo, tamu mena. Timéry et Astrid sont nos prochaines invitées. Bonjour toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là. Vous représentez donc l'association Vai Ara Oteahupo, une association qui œuvre dans la protection des rivières, mais pas seulement. Non, alors Vai Ara Oteahupo, c'est la protection de l'environnement. Mm-hmm. Et le démarrage de l'association, c'est lorsque on a voulu s'opposer au projet de barrage hydroélectrique. Donc les rivières nous tiennent à cœur. Elles sont belles, il faut les préserver, et voilà. Voilà. Et donc, vous avez continué vos actions. Alors, dans vos actions, il y a des ramassages, par exemple, d'ordures à la presqu'île, donc à Teahupo, aux alentours. Oui. Nous avons procédé à un ramassage de déchets. On n'a pas pu faire tout le fénois échiré. On a fait une partie du fénois échiré. Et normalement, le 6 et le 7 novembre, nous terminons de la grotte Anaïhe jusqu'à Veihote Atautira. Est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles pour ça? Je pense que ça va. Ah bon? Je pense que ça va. Ça veut dire que la population est bien impliquée alors à la presqu'île? Oui, mais ça veut dire aussi que beaucoup de monde implique beaucoup une organisation beaucoup plus lourde. D'accord. Il faut plus de bateaux, il faut... Voilà. Et éventuellement, si j'ai un bateau et que je ne suis pas prévu, est-ce que je peux vous appeler si j'habite dans le coin? Oui, tout à fait. Et là, je vous rejoins. Alors, redonnez-nous la date. Alors, le 6 et le 7 novembre. 6 et 7 novembre prochain pour le reste du ramassage. Hein. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour les déchets. Et puis, dans toutes vos actions, il y a aussi l'élaboration d'un calendrier, Matari. Voilà, nous avons voulu marquer l'arrivée des Pléiades à notre manière. Donc, nous avons élaboré ce calendrier. Au niveau des images, ce sont les belles vallées et la belle nature du fénois échiré. Le fil conducteur que l'on a choisi, c'est l'eau. Donc tout en rapport à l'eau, et les images arrivent d'est en ouest. Mm-hmm. On a voulu suivre une certaine logique, chronologie, donc d'est en ouest. Et c'est aussi une façon de se faire connaître du public, du grand public. C'est un calendrier qui va servir à tous les amoureux de la nature, aux pêcheurs, aux agriculteurs Dans quelle mesure? C'est-à-dire pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors là, on rentre dans la période de l'abondance. Oui. Mmh. Alors, le calendrier Matari est partagé en deux parties. Matari Inia de novembre à mai et Matari Raro de juin à octobre. Donc la première période Matarinia correspond à la période d'abondance et la période celle qu'on va connaître là maintenant. Connaître, mmh. Oui. C'est celle où on avait le droit de pêcher, on avait le droit de la cueillette et en revanche l'autre période, c'est une période où on laisse reposer la terre, où on laisse reposer le lagon et tout ce qu'on a l'habitude de prendre. Hein. Tout à fait. Mmh. Et la première période correspond plutôt à tout ce qui est sur les arbres.
les fruits, les choses comme ça. Et la période de Matari Raro, c'est tout ce qui pousse dans la terre. Les taros, les maniocs, les tarouas, les patates douces, etc. Donc c'est un calendrier qui est valable juste pour l'année 2013, de, fin 2012-2013, ou c'est un calendrier qu'on peut utiliser tout le temps? Non, non, c'est un calendrier qui est 2012-2013. Et qui a des lunaisons particulières pour cette année avec les références au niveau de la pêche et de l'agriculture pour cette année. Ça veut dire que vous avez travaillé avec le ministère pour élaborer ce calendrier avec d'autres associations? Non, du tout. Non, au sein de l'association, nous avons une cellule calendrier composée de 4 personnes et nous sommes allés chercher les renseignements dans des livres, sur Internet. Et voilà. Vous aviez des personnes ressources aussi, j'imagine, sur le Fénoua Échéré. On a des personnes ressources au niveau du Fénoua Échéré. Quand nous on parle de personnes aussi... ressources, c'est les anciens. Oui, hein? Oui. Et nous avons aussi bon, des gens, je veux dire, d'ailleurs, qui nous aident autant dans le crédit photo que dans les renseignements plus particulièrement culturels. Bon, alors pour vous joindre, il y a deux numéros de téléphone. Vous n'avez pas encore de site web ni de page Facebook? Ça va venir ou c'est déjà... Alors, nous avons une page Facebook. Ah, je ne l'ai pas trouvée. Alors, quel est le nom de cette page Facebook? Vaiara Otiopo. Ah bon, ben, je n'ai pas trouvé, elle ne s'est pas affichée, ce n'est pas grave, on va réessayer. Ouais. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, il y a deux numéros de téléphone, le 78 79 79 ou le 72 88 97. Vous aurez pour le deuxième Timéry et pour le premier, vous aurez Marc, présidente et vice-président de l'association. Vous êtes combien aujourd'hui dans cette association? On est à peu près une centaine. Une centaine. Ouais. Et dans vos projets, parce que tout à l'heure on a parlé des ramassages d'ordures, donc vous avez fait le calendrier, les projets pour l'année 2013, vous en avez d'autres? Oui, on intervient aussi au niveau des écoles, des animations lorsque il y a des événements. Pour l'éducation dans l'environnement, hein, toujours voilà, touché à l'environnement. Éducation à l'environnement. Donc pour les aider, eh bien vous allez vous trouver ce calendrier qu'on peut trouver d'ailleurs dans toutes les librairies de Tahiti. Oui, en fait oui. Dans 4 librairies. On peut citer ou pas? Oui, bien sûr. Donc dans la librairie Archipel, à Odyssée, à la librairie Climat et Tamano Loisirs sur et la côte ouest. Vous serez en plus à Matari Paris entre le 19 et 24 novembre. Ça veut dire qu'en métropole, on pourra même se procurer ce calendrier pour les amoureux du Fénoua. Tout à fait. Il y a 100 calendriers qui sont partis jeudi soir et qui seront à Paris pour l'événement de Paris. Eh bien, sinon, si vous venez juste de prendre l'émission en cours et que vous dites « Oh là là, j'ai pas tout entendu, je ne connais pas l'association », on vous donnera tout ça, bien sûr, sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller de toute façon dans les librairies Climat, Archipel, Odyssée, Tamano et Info Loisirs pour vous procurer ce nouveau calendrier, le calendrier Matari. Merci. Merci. Oye, maruru mwete, keite me farimeta to ya Astrid, drole ir to puita to Astrid. Hare aforo no taun e te puta. Te to pa hie Matari i. No te imoteiti, imoteiti, o aru e mapiti. I roto i te iputa tātātou i matei te mai aru ara, te tāre nā tarai whanau hia mai tēnei tātira a. No te rapaia tō mātou, te topahia te iua, vai ara, no te haupo. Iau rana. Iau rana, Mario. Maruru wharira mai. Mātei te ira o te ie tāre nā, te haura te veira, mo tāpā, mo i o, te iro ai o tūti hare tua tāpapa. E non te nen e amiti tarena wa rame matu te mo mai mira ari tu te mo puta te puta te mo puta i pap e ia mai era ene te tau e te veho ia mai te mo tupuna me ia tati te e ia tra tati o ai pa ia pro no hiara e ia tena te tati te veho hoi te ari te ratira rei no paparai te raratau te moha pipira ia tānei veho mai rutu i te iwa o te maupō o ia hau te tārena o te maupō te ipiahia i te apihopea e te iwa o te maupō e te mau ia e roa i taua maupōra e te taute e tānei whaahupa me te mea hi anei me te mea whaahupa anei te upea traia tā te tārena e ha maramara māre tauturu rei tato e te parauno te tautai no te tanura e te mo anei te ria mo mea tātou te rito i te ia tārena tā auto te rito i te ia tārena e nortoma i te ia puta
Prohi Nato Trio Britannia Journal of Polynesian Society. Na marout arwai hur ometi mo hapipir aitu ya Frank Stimson taui tamatu ye rove mai e huri atu nartu triu frani tranto meti tarena wa nen ehia mai nartu nario ipiti triu teti e triu frani o giero atu no tato mit po hin aro oto ai me ma hariti mit po hin aro oto to vero to kola ge o giria piti hanere tarano mi fora haro oto to fora to taua tenei ara komodi. Now that te puta woti tirto di mo fara fare to hora puta ne ne pro dida ite ta wo ta ta uro ite pro hi yo hora wo ro to te vero ve te mo yo e we twaite ra tra au a na na uno ta wo no te au a noema ho hi ora no te au a noema te vero ho i ota au to itu ere na ma to itu wa me e habirati ve ho hi me ari te me o ia hi e te irute i te matahiti e o mua i te taime o te hiti rā mai o matari matari inia matari inia o te tai a te ua o te i e ave au anu e maha te rira hapapura i tato ua hapapura atua e ho e ave e rutuit whanohora at mo mahui e o mua o nei te ave api te iohi e me te ave api te aro atu i te pō mutu hoi a ave tra. Tra i o te tai, me te mea hi o e tarina, e hamatau nei te ave api, te te ohuru maturu ia no novema. E upa i o tenia te afar au te tai, tenia ia novema, te te afar a tenia ia atupa. Ai te e tōrato i te rā tarina, no te mea ho hamatau mai te mateiti, ia hiti te puifiti au matari. No reira, hoi ave, ia iti te tātai, hoi ave, nartu i whanhora o tumo tupuna, hamata onai te ave api, e moti onai te pō o mutu. O mutu, te ave, ti te maia, i te ahuru ma... Ahuru maiva. Maiva, te rira. Hoi atra ave, o te tai. Te whaite tōra pa, i te piti ahuru maha oe, te oa, o rua ma... O rua ma oro. I te piti ahuru ma hoe no titema. Te tai metra e tue ai te whaito o te pō e te ao. Te metra te moutap o ta te moutupuna e hi opo ai te matamuara. O e hau te teime o te rua poto. O e hau ia poto e te mahana i te pō. E te rua moro i te piti ahuru maho e no chitema. E opa i e te mahana roa roa e trairitu i te matahiti. Te prohe nga tō te ro frani solstice. Mātai te hora tatu i anu era te reira o te mohu o tau i whaiti i te tura. Nā ora ai uo te paraura hei te mohu o tau i tera. Nō tara hoa pā, te upo, harero atu i te whenua e here. Anō te prono te hoa, ua hinaropa e mātou e whahanhana i te paro o te whenua e here o Teirapu. Nō tēnei mateiti, ua raunaman mātou te mohu hoa o te upo, te whenua e here o te upo. Ma te mana o e meti mea e manuia te ehupane, ne to awhahari te pā o te tei atu whenua e here, te rira. Mai te hiti rā o te mahana, o te pahiti a o te rā, te anu atu i te to'o a o te rā. Te hurupa i o te tere rā o te mohoho a tamato i pia mai rito i te i e tārena. Te ura pai, ua wahare o tu e mātai tei whawha i te mōpura whea pāri e tu e rito i te o tō mātai nā. Nā te mātai tei rō rito i te te mohoho a, nahi parone e motu a e vai te reira au te teime, ruta pa e te parahoa, e huru mape e te vera ke te haurapo pae. Te rira, no te mea irtu, tā mātou mō arora a, te pape hoa ia te tumupra urhei, no te mea, no te rā moha paura a pape, matoi hā moe tā mātou tā atira a, e no te ma teiti o hinaro mātou e rove i te pora o te pape, e i te rira no te tau, e whahanhana rā atua i te pora o te mo anawai, te piahia i nei te i e paruai tā mātou i nene atua, o iha i te proti mō anawai. Ho e āmuta au hina aru hapato no mai, o e tātara i anu te mea aru, e mātou i tua e nene rā te paruhi mai nei te veine pa i tarai o matari i te rawa haito utou. E, o ia mau, te veira ho e mau ai ti, e, ti te auwaha o te whaarhei o vaiarawa o matari i tonei ua. Ti te avae, me? Te te av e? E aurera, Māti.
Awamati. E te hi ona ispe ata o te ihoa, te mau ata o tui te nei mau ai ti hatra mi ra rei rua, hatra mi te te rua e rei ra rumai. O matar i tu nei oa. Tap oia o riru te ra mau e po atua e no te ra te ra wahai e. Tra, rola, tra. Te pe atau, Mario. Atira, nā o tātou te whea hina arupa ia i te hohonuru atu te parau o, te haupo o, harero atu te pari te whenua here mā. Hare nā rato i te tātira, no te me whaorotu me hururahi o te tēnei rato i te tātira atā auto. Me rei mātou, me tā tomato piriti ki mei whaitea. Ua hau tu tianere e te hinaro noa rea te tata e whao me rito, no te mea, ta e noa tuai te parau o te patau rai te moha paura apape, te vetu ora te parau o te whahanana a paruru rai te mo ana wai, i mira ai te rawe ai, ia urepa i te wahi ia riru ai wahi. Huera apeu nā ka tata? Te rira. Te rira atua. Ua tano o tau, mi te pēhau hare tu tō tō pōpē te i o tau e aho e te pēhau au au mai. Ia mai aho e te pēhau i o. Te rira. Te rira tā o tō tū a paruru ai te tū a tō o tō mai te whaā te mau anā vai e te veino antura. Ia veino o nai rtui tō naru pirupira. Ua tano, maruru mai te ai tō tātō wharerena. Maruru ia oro. Rapidement, avant que l'on se quitte, il faut savoir que le produit de cette vente va servir aussi à la formation d'un jeune guide. Voilà, parce que c'est... ça, c'est important, c'est l'occasion de rappeler justement que la presqu'île se mérite. En fait, toutes les montagnes, toutes les sorties, toutes les randonnées que l'on peut faire sur Tahiti, il ne faut pas les faire comme ça si on ne les connaît pas. Et vous voulez justement former un guide. Oui, tout à fait. Actuellement, il existe des guides au niveau du Fenoaichiré de Tiopo et de Tautira, mais on a voulu mettre l'accent sur le Quelqu'un... côté pédagogique et encourager les jeunes. Et on a été très contents parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui veut faire guide nature, et donc le produit de la vente du calendrier va servir à payer les dépenses, les stages qu'elle a à faire, etc. Ben, on lui souhaite beaucoup de courage, parce que je connais quelqu'un qui a fait, une autre fille, qui a fait cette formation, et elle est très très dure, elle est très physique, pour être guide de randonnée en haute montagne. Hein. Donc voilà, l'occasion ou jamais d'aider encore une fois cette association. En plus là c'est facile, il y a un calendrier. On vous redonnera tous les endroits où vous pouvez vous procurer ce calendrier, bien sûr sur notre page Facebook. Autrement vous allez sur leur page Facebook, et c'est Vaihara Oteahu. Ai, nō tāna parau rā, hare nō tū i a hiria, horo rā i o hiria te wai hōhonu, iau nei te hie patana hei tono ho, o rā o, ane o tō mua, whēnia i ana. Hara tātou ni e te tātou i anō te ia te mea wa tēnei, ai, te ria te tātou i a whanohia mai tō māna tātou no te imhana, ai, te teimo parau a pina pōra, e tō te imhana, nā rea tātou i a parau. Tō rā rō, tāu i mai. Thomas, bonjour. Bonjour Léna. C'est l'heure du journal et on commence ce journal avec le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe. Oui, c'est donc parti pour cette fameuse campagne de vaccination contre la grippe saisonnière jusqu'au 31 octobre. Alors rappelons que la campagne concernera toute la population polynésienne. Sachez également qu'il y a des catégories de personnes qui peuvent bénéficier de la gratuité de cette opération. Il s'agit des personnes de plus de 60 ans, des personnes titulaires du carnet rouge en langue maladie, donc des femmes enceintes, des personnes obèses et des personnels de santé travaillant en contact des malades. Voilà, et puis on revient sur le Heiva des sciences. Vous le savez, c'est aujourd'hui à l'université. Oui, le Heiva des sciences entre 8h et 15h30. Cette manifestation fait pendant à la fête de la science qui a lieu entre le 10 et le 14 octobre. Le Heiva des sciences 2012 sera l'occasion pour les écoliers de Punaouia notamment, et de FAA, de participer à des activités ludiques et pédagogiques préparées par les professeurs des écoles stagiaires de l'IUFM. Et puis on parlait il y a quelques minutes de la période d'abondance Matari'i. Eh bien vous allez nous parler du début de la saison des pluies, ce qui correspond bien sûr. On a pu le constater, c'est la saison des pluies qui a démarré avec, comme il se doit, quelques séquences humides. Et c'est bon pour la terre,
faut surtout pas s'énerver pour cela. La direction de la météo prend donc ses dispositions. Conférence de presse ce matin pour faire le point sur les grandes tendances à venir au regard, comme elle le dit, des phénomènes climatiques observés. Notons également que du côté du Haut-Commissariat, comme d'habitude, la menace cyclonique est prise au sérieux. Présentation du dispositif de réponse à la menace. On prévoit également un exercice cyclone demain, mardi 23 octobre, en collaboration avec les services du pays et des communes. Nous écoutons Victorine Lorrain de la météo. En fait, on est dans une phase El Niño faible, c'est-à-dire qu'on a des températures qui sont légèrement chaudes, mais qui vont très rapidement revenir à la normale. Donc, en fait, on ne va pas avoir un phénomène El Niño mature, c'est-à-dire où l'océan et l'atmosphère vont être en phase. Aujourd'hui, il n'y a que l'océan qui montre une structure El Niño, mais l'atmosphère, non. L'atmosphère est normale. Ce qui fait que très rapidement, tout va redevenir normal à partir du mois de janvier. Voilà, et puis si vous avez des questions, eh bien posez-les sur notre page Facebook. Si on voit que vous en avez, on les invitera pour faire un point justement sur cette période cyclonique dans notre émission. Pour terminer ce journal, Paris ouvert à l'Hippodrome, c'était à Pierret hier. Hier après-midi à Pierret, donc ça a été un moment très, très attendu par les habitués de l'Hippodrome. La reprise donc des paris après plusieurs années d'arrêt. Certaines écuries inscrivent parfois plusieurs de leurs chevaux dans les mêmes courses. Une façon comme une autre de multiplier les chances de gagner. Parmi les parieurs, Eric Tang, Christian Dezo. Dans l'écurie Sapinus, c'est le branle-bas de combat. Tout le monde s'affaire autour de Tequila, en particulier Alizé, son jockey. Les étriers placés haut, c'est pour l'aérodynamisme. Très haut pour avoir une bonne allure, on se met en position de course pour permettre au cheval de pouvoir allonger son allure et de pouvoir avoir plus de fluidité dans la course. Surtout qu'avec Tequila, c'est une première, et pour la monter et pour courir avec. La jument l'a bien senti et angoisse un peu, alors afin de la calmer, son jeune propriétaire la caresse. C'est pour la détendre, parce qu'elle est stressée. On masse les muscles et les tendons. De son côté, son père, Jean-Yves, prépare lui aussi son cheval. Bien plus localisé, il montera à Thiouray, une jument très endurante. Deux chevaux de la même écurie dans la même course et pourquoi pas dans le tiercé gagnant, la patronne de l'écurie en rêve. Je suis heureuse d'avoir des chevaux qui ont quand même un potentiel. Faire un doublé, ça serait vraiment merveilleux. Miser sur les bons chevaux, voilà ce qu'espèrent aussi les parieurs. Chacun avec sa bonne raison. Moi, je prends Maramou. Attends, le Maramou, ça souffle et puis on va le pousser devant. On a regardé un petit peu les chevaux tourner. Et puis, on s'est fait une idée comme ça, juste au look du cheval. La première fois que je joue à Tahiti, alors on va essayer le dernier. Le 7 et le 3. Et c'est presque ça, car après 1000 mètres de course, le numéro 7 Popoto de l'écurie Tenae arrive en tête. Tandis que Tequila numéro 3 se classe 3e. Un point en moins pour Alizé. Je m'y attendais pas, enfin, j'avais peur que j'arrive pas à me classer en fait, comme c'est un cheval que j'avais jamais monté, mais finalement je suis très contente. Avec un tel résultat, nul doute qu'elle participera aux prochaines courses du 11 novembre. Voilà. J'aime bien, moi, les bonnes nouvelles comme ça dans le journal. Voilà, on y reviendra. Alors, c'est la première, mais pas la dernière. C'est la première, mais ce ne sera pas la dernière, certainement pas. C'est fini ? C'est fini. Merci, c'était Thomas pour les informations en langue française. On le retrouve tout de suite avec Mario pour le V1 Poteau. Voici le journal en langue tahitienne. Oia, maruru mai te to tatou wharerei, ahura te no ta tatou mo ipotonua, no te teme, toma iorana. Hei, iorana, Maruru. Hamata mai tau na muoro, nani e te parau patia? Patia no te paruri tatou i te mai hota. Hota. I roto tatou i te tau toe, a eriroia te hota i te rehi mai, o hamata te e area tau patia, a patia arai, no te arai tatou i te ramai i te mai hota, e te atu i te mani te toru ahur maho eno atopa. I roto i te tau patia arai te tata, wa tamoni orehi atu patia, no te mou metua, hau tu te ahuru ona ahuru matahiti, mou tata e te vera tātou tā tarina ute, no te paru, no te roara a tau o te mai, Tu ya mo mama hapu, on tu hene wo hapu. O ya to te mo ata i pifira i te mai poria. O ya to me tamoni o rea to no te mo
Et nous avons Heimanou et Sonia, bonjour. Bonjour. Yorana. Le salon de la, après le salon de la beauté, le salon de l'habitat. Bah oui, maintenant qu'on s'est fait belle, il faut qu'on ait une belle maison. Absolument, c'est tout obligatoire. À fait. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui concerne l'habitat, ça commencera ce vendredi. Jeudi. Oui, jeudi, à partir bah oui, 25 déjà. Voilà, le 25. Voilà. Jeudi 25, jusqu'à dimanche soir, le 28. Donc jusqu'à 18h dimanche soir, sur la place Toata, c'est Habitat Expo 2012. Combien donc, d'exposants cette fois-ci? Un peu plus de 80. Donc, ce sera un très beau salon de l'habitat où on pourra découvrir tout ce qui concerne l'habitat et toutes les nouveautés et ainsi que toutes les promotions, puisque évidemment tous les intervenants de l'habitat, voilà, vont faire des propositions de tarifs, vont faire des tarifs promotionnels et puis également proposer des nouveautés. Alors, si vous avez envie de construire votre maison ou bien de la rénover, si vous avez envie aussi de découvrir, bien sûr, de la décorer. De trouver aussi toutes les nouvelles technologies qui concernent l'habitat, hein, pour votre intérieur, mais aussi pour votre extérieur. Et puis aussi, tout ce qui vous permettra peut-être d'économiser, alors économiser de l'argent, hein, grâce à des nouvelles techniques de l'habitat, ou bien économiser de l'espace aussi, hein, puisqu'il y a tout ce pour qui s'appelle les rangements, voilà, l'aménagement. Optimiser en fait son espace à la maison. Voilà, de toute façon. Trouver une place pour chaque chose et avoir des professionnels qui vont nous aider à ça. Absolument. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne la domotique, donc tout ce qui est les gadgets en fait, hein, qui permettent de mieux vivre dans son habitat. Alors ça c'est génial, c'est je touche des fois juste une lampe ou un mur, voilà, et la lumière s'allume. Absolument. Ou alors je claque des doigts et ça fait ça. Ça marche aussi pour musique, les alarmes. Hein. Oui, la musique se met en marche, oui. Les lumières deviennent tamisées. Voilà, ça, c'est donc, vraiment quand on veut se faire plaisir à la maison, parce que ça coûte un petit peu quand même. Et cela dit, ce n'est pas dans les habitudes polynésiennes de marchander. Mais est-ce que quand on est à une foire comme ça, on peut justement oui, en profiter? Oui, alors en fait, il y a une petite différence, c'est que c'est un salon. Mmh. Hein, donc il y a une petite différence entre un salon et une foire. La différence, c'est que le salon est plus thématique. Donc là, vous avez un salon de l'habitat, donc vous allez avoir uniquement des exposants qui ont un rapport bien avec sûr. L'habitat. Mais selon ils les sont tous voilà. là, les professionnels. Alors, ils doivent jouer le jeu. Est-ce qu'on est sûr qu'ils jouent le jeu des prix? Alors ça, c'est pas le marchandage, évidemment, mais c'est si vous avez envie d'investir dans votre maison et que vous avez la possibilité de payer rapidement ou bien voilà, on peut les plusieurs gens fois, sont tous des commerçants, donc évidemment ils vont vous faire une proposition intéressante. De toute façon, une proposition qui n'existerait pas en temps normal, c'est aussi souvent ce ils à quoi... profitent évidemment d'un salon pour faire des tarifs particuliers. Oui, tout à fait, c'est plus intéressant de venir à un salon pour rencontrer tous les exposants qui sont dans le même secteur d'activité et justement pouvoir demander à ces intervenants de faire des tarifs spéciaux, des devis plus ciblés. Et comme ils sont tous là, sur la place, donc c'est plus facile. Donc on veut construire, on aura des gens qui seront là pour les matériaux. Absolument. On alors veut vous avez rénover, le béton, le bois, pareil. L'aluminium, parce qu'il y a tout le secteur de l'aluminium aussi qui est très, très à la mode. Hein. Il y a des nouvelles technologies dans tout ce qui est aluminium. Donc ils sont vraiment, ils sont tous là. Les volets, les cuisinistes aussi, vous allez pouvoir découvrir des nouvelles cuisines très high-tech, hein, tout équipées, qui seront sur la place Toata. Évidemment, les piscinistes. Hein, donc des propositions de piscine, de jacuzzi. En fait, il y aura l'ameublement aussi. Oui, et voilà. Pour tous les goûts et pour tous les budgets, en fait. Hein, absolument. Voilà. Est-ce qu'au niveau institutionnel, on a par exemple quelqu'un comme l'OPH pour parler des maisons MTR? Alors, nous avons des gens qui seront là aussi pour présenter des maisons en kit. D'accord. Voilà. Donc des maisons en kit et des maisons qui seront évidemment à des prix très bas, hein, les meilleurs prix du marché. Oui, oui, tout à fait. Alors sinon, il y a bien sûr votre site, il y a votre page Facebook. Alors, toutes les informations sont sur notre site radio1.pf. Je voudrais aussi ajouter que nous ferons des débats.